gars-là, ils ont joué comme si c'était la dernière chance. Si c'est que les gars-là ne mettaient pas, surtout Aboubakar. Il dit qu'Aboubakar est venu, quand le gars a mis son truc là, bam, c'était comme le canon. Il dit que c'était la magie, frère. Et tu sais maintenant qu'il est le plus mignon du pays, maintenant. Ah, il dit que tous les fils ont se marqué, oh, Abouchou, Aboubakar chou, bébé, aïe, non. Dans les noms, mais tu sais, même, si même parler là-bas, c'est moi pour regarder le match. Tu veux go faire quoi? Si go là-bas pour le nombre, il y a le nombre de 10 filles. Le charo. Vous remarquez que le charo. J'ai nommé Vanessa Olembe, yeah. Ingrid Olembe, Leslie Olembe, Samira Olembe, tu ignores un peu. Non, regarde, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, les filles, non. Ah, non, regarde, regarde. Là-bas, c'est bon. Oh, Wilfried. Merde. Oh. J'ai Aboubakar Vincent venant ici. Aboubakar. Les tanks. Le gars a pas un kill. Les tanks. Et le gars est bizarre. Le gars a mis un bion. Attendez un peu. Donc, vous allez regarder le match là-bas. Il y a encore quoi le match? Moi, c'est moi, j'ai au moins fait quelque chose. J'ai regardé le match en même temps. J'ai plus le nombre de 10. L'histoire du téléphone qu'on m'a volé là, ça me choque, ça m'énerve. Je t'assure, Leslie, moi-même ça m'énerve. Non, tu t'imagines que le soir comme ça, là, que ce soir que d'apprendre. Quand ma mère ouvre seulement la porte, on s'est peur qu'elle me demande le téléphone. En dehors du fait même que ta mère va te gronder, tu sais que les compos approchent. Et tu connais l'eau qu'il y a souvent les dernières semaines de compos là. Le soir même que compos ma mère, imagine un peu, voilà, ça me fait rater les dragueurs. L'autre jour, j'étais obligée de donner ton numéro à un gars au Lembe. De toutes les façons, hein. Réfléchissons bien, il faut qu'on trouve une solution. Même si on cotise un peu pour qu'on t'achète le téléphone. Il le faut vraiment, maman. Le temps, là, on ne peut pas rester sans téléphone, il le faut. Ça me stresse, ça me choque. Donc j'ai toutes les émotions bizarres là. Moi ici, ça m'énerve. En parlant même, dès qu'Aboubakar Vincent met le troisième but, je remarque la mine d'une fille, elle dit que mais tu il y a quoi non? Je suis go l'aborder, tu vois un peu non? Elle me dit que non, on vient de la wash. Mm-hmm. J'arrive alors, genre, tiens, je vais tirer le numéro, mais elle n'a pas le numéro, forcément, on vient de la wash. Mm-hmm. Je tire le numéro de sa copine. Ouais. Net, dès que le match finit, je sors du stade comme ça. Pas bah, téléphone business. 2500. Hein? C'est que 2500. Combien tu blancs? Ok. Mais qui c'est encore moi? Je vais faire ça à la fin ce soir. C'est encore pour. Mais n'avait même pas le mot de passe. Hein? Ce matin que je suis allé flasher ça. Je vais d'abord l'appeler, parce que non, 90 600. Mais qu'est-ce qu'il fait tout si ça vient pas de là maintenant. Ok, les taxes non. Bravo. Les frais de retrait et tout. Et tout. En tout cas. Encore bien. Même comme je suis le numéro de sa copine. Tu vois non. Je vais l'appeler pour savoir à quel niveau elle est. Elle m'a dit de l'appeler. Elle est belle. Attends, ton téléphone sonne. Qui est ce qui a encore le téléphone? C'est un numéro inconnu. Décroche maman, les taxes on ne renvoie pas l'appel. Allô? Oui, allô? Ouais, bonsoir. T'as encore mes voitures. Oui, t'as encore mes voitures. Ouais, tu m'as demandé de te rappeler. Tu es toujours avec Leslie? Ah oui. Oui, je suis avec Leslie. Ok. Qui me connaît? Sors la voix du village. Sors la voix du village. Ok. Dans... On se retrouve là-bas en bas, comme tu as dit, non? Ok. En bas là-bas. Oui, d'accord, c'est quoi? Tu es seul? Non, je suis pas seul, J'espère qu'ils sont les beaux garçons. Hein. Non, tu vas trouver ton compte, ça c'est sûr. Ok. D'accord. Ok, à plus alors. Marco. C'est qui, maman? C'est ton gars de la dernière fois là à Olembe. C'est Samuel. Dans le gars rappelé. C'est facile. Il dit qu'on se prend en bas là-bas, tu vois. Et apparemment, il n'est pas seul. Et tu fais encore quoi à 6 heures? Tu es célibataire, tu dis que les gars sont en bas là-bas. Toi, tu fais quoi à 6 heures? Pardon, lève ton pas. Même l'histoire des téléphones là, ça n'a pas rien me gâter. Aucun marché ne sera gâté. Le Gouja. Il y a 11 numéros. Le Gouja. Mais tu 11 numéros. Oh, tu mérites quelque chose. Tu connais ma chose. Je conviens. Descendons là. Un beau bro. Quelqu'un va mourir avec les petites. Oh, le Cameroun, la canne est sucrée. Oh! Oh! Vous jouez. Oh! J'appelle, ça se tourne, ça part. Ah! Apportez-moi viande ici là.
Regarde, regarde, regarde. Les choses comme on dit à la sorcière, on ne veut pas. Marchez vite. Et regarde, toi, il est quelle heure? L'école sont à quelle heure? 13h30. C'est ce que Paul Béa dit, non? Il est quelle heure? Voilà, 14h30. Tu n'es pas encore à la maison, donc tu n'es même pas sur le chemin de la maison que tu rentres. Vous partez où? Toi, je t'ai déjà dit, avec ton ami cela, avec qui tu marches cela, puis avec qui tu marches cela, où c'est qu'on doit vraiment t'ouvrir les yeux, comment, où c'est que c'est un prêtre qui doit t'exorciser, ou c'est quoi? Vous êtes là, c'est comme si vous êtes dans une tontine. Regarde, elle bouffe tout. Toi, tu ne bouffes rien. Regarde sa poitrine, regarde-toi. Regarde. La maman à la maison qui est pleurée, oh, qui va m'aider à faire ci, qui va m'aider à préparer. Oh, les deux avocats sont en train de marcher ici là. Toi d'abord. Dimanche, quand tu sortais à la maison, on t'a demandé tu pars où, tu n'as pas répondu non. Tu crois que non. Comme le Cameroun est comme il est, on n'allait pas savoir. On t'a vu à la télé. Tu sautes, tu secoues le corps. Wow, wow, Abouchou, Aboukouchou, Toto Okachou, Pachou. On t'a vu. Avec elle. Où vous êtes là non? Il ne veut même pas tout. Donc, il ne veut même pas tout le bagage. Tournez votre dos. Vous rentrez à la maison. Toi, tu prends ta route, tu pars chez vous. Avec les cheveux de Caraba la sorcière, elle est là comme le fétiche. C'est pour nous dire ça que tu nous appelles. Tu vois, elle ne respecte pas les aînés. Et vous voulez que le père avance comment? Regarde, regarde, regarde comment elle sort. Marche vite là-bas. Abouchou, Tokochou, Ekachou, Ngoukouchou. Oh, on est là comme on a organisé la calme, vous devenez bête. Et pour vous devenir, vous êtes là, c'est comme ça que vous faites. Vous tenez les réunions pour être les influenceuses. Après, on va voir l'autre, on va secouer les fesses à la télé, à Facebook, tchop, tchop, tchop. L'autre va soulever le maillot et montrer les seins. Comment? Machin comme un de la sorcière, on ne veut pas. Ouais. Il est là, non? Ouais, bloque-le, il doit rester un bougique. Il dit qu'il doit rester un bougie là, il va me remettre mon argent, il est malade dans ta tête. Mais il ne peut rien stopper. Mais il est mignon garçon. Il veut bavarder, bavarder, bavarder. Sinon, je vous présente mes amis, Wilfried et Oli. Wilfried, Oli, Alice et... Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Super. Merci, je peux te causer. C'est toi. Tu chantes. Non, mais sinon, c'est comment? Ça va, et toi-même? Non, ça va, ça va. En fait, la dernière fois qu'on s'est vu au stade et tout, j'ai pas apprécié ta mine, tu sais. Une aussi jolie fille comme toi ne doit pas être triste. C'est pour ça que comme tu m'as dit que tu n'avais pas de téléphone, j'ai décidé de t'offrir un téléphone. Attends, tu es sérieux? Ouais. Merci. Merci beaucoup. En fait, le prix, c'est rien, tu vois. 90 600. Gars, même si c'est 1000 francs. Ah, toi, c'est Alice, non? Oui. Oui, franchement, tu es très jolie. Tu es très jolie. Tu as vraiment un joli visage. Très belle beauté, j'aime aussi tes pieds. C'est gentil. Tu as vraiment les jolis poils. Sinon, comment tu vas? En fait, quand je te vois, mon cœur il bat très fort. Tu vois un peu. Tu vois, tu es le genre de fille qui me convient. Hein? Genre stylée, propre, intelligente. Tu vois un peu. Parce que moi, je suis un gars, je suis d'abord beau. Hein? Et en plus, je suis intelligent. Ne vois pas parce que je marche avec eux. Ne te fie pas à ça. Mon école coûte plus cher que le leur. Tu vois un peu. Donc, moi, je suis un gars, j'ai d'abord l'argent. Je suis un gars posé, ma famille a l'argent. Si je marche avec eux, c'est parce que c'est juste pour le paraître, c'est pour le quartier. Pour qu'on ne dise pas que oh, ils marchent avec les gens riches, il faut aussi qu'ils marchent un peu avec les gars pauvres, tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Donc sinon, si tu viens de mon côté, tu vois un peu, tu es sûr que tu vas mourir en paix. D'accord. C'est bien Alice, c'est ça non? Ouais.
faut d'abord savoir que de 1, t'es un très joli prénom. Merci. De 2, t'es très joli. J'ai à dire ça. Même ça. Laisse-moi finir de parler. Toi, t'étais en train de faire ton récit, ne m'étais pas interrompu. C'est ça, mais... Et de 3, t'es un très joli sourire. Merci. Et dis-moi, Alice, tu fréquentes dans quel établissement? Ça, tu ne vois pas la tenue. Je ne vois pas la tenue. Il n'y a pas le truc des cuissons. T'es têtu. En fait, voilà le téléphone. J'ai acheté directement la glace et la pochette. Tu sais, il ne faut jamais faire ça en protection. Attends, donne un peu. Arrête un peu ça. Tu dis que tu as acheté ça où? Cache ta joie, j'ai acheté ça en boutique, c'est tout. Mais ça, c'est mon téléphone. Effectivement, j'ai acheté ça pour toi. C'est ton téléphone, garde-le. Non, tu n'as pas acheté. Ça, c'est mon téléphone, la même couleur, la pochette. Ah, d'accord. Donc, tu étais de connivence avec les gars à Olembe. Tu es venu me voir pour te rassurer que le travail était fait, c'est ça? De connivence, comment? Donc, tu crois qu'il va voler un téléphone? Je vais venir t'offrir un même téléphone. Mais, quelle coïncidence. Je t'assure, c'est mon téléphone. Comment? La pochette, la couleur du téléphone, c'est mon téléphone. Oui, coïncidence, j'ai acheté ça chez un donneur. Je suis venu te donner ça. Tu n'es pas content comme tu as ton téléphone. Vous êtes maillard que nous. Voilà, tu as ton téléphone, je ne tiens pas reconnaissant. Vraiment, tu as raison. Merci vraiment. Je ne savais pas ce qu'il devait dire à mes parents. Merci vraiment. S'il te plaît, excuse-moi de t'avoir accusé. S'il te plaît. Non, si tu veux qu'il t'excuse, je suis d'abord très fâché. Fais la bonne bisou, chère. Non, il n'y a pas de problème. Merci. Ça va, non? Ça, disons que ça a diminué les 30%. Tu vois, il y a encore un autre pourcentage là. Il faut faire un autre bisou d'abord. Ok. Ok. Ça va maintenant. Bon, disons qu'on va gérer le reste des pourcentages autrement. Ah, carré, merci. Merci vraiment. Hein, t'es là, on très mal fait. Voilà, et c'est donc de ça que je parlais là. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je vous ai dit ça que toutes les équipes de l'Afrique d'Avance sont venues prêtes là pour gagner la canne. Papa, parce que là, pas de soumission, c'est quoi? Le côté ici, alors. Ok, bon, de toute façon, il m'envoie mon argent parce que j'ai gagné. Il avait dit que le Cap Vert devait faire quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. La Chop Kamga. M'entretiens. Mon frère, tu as Chop Kamga. Il y a qui d'autres des questions d'autres rembourser ton argent. Ouais. Il va le petit. Quand vous parlez même souvent, je ne sais pas, vous sortez là-bas. On voit trois jeunes avec les tenues de classe. Vous venez dans un tournoi d'eau. Il est quelle heure? 15h. Le président dit quoi? L'école commence à 7h, ça finit à 13h à cause de la canne. Vous venez dans un tournoi à 15h. Ah, vous attendez le match de 19h, c'est ça non? Il dit, comme, c'est quoi ton problème? Tu n'as pas ta vie. Oh, faire les lances de la nation, faut te faire là et rouiller. Vous, après le match, il y a l'après-match au stade. Voilà. Après-match, il y a l'après-match, les filles seulement sortaient de partout. La magie. Elle te coupe un bit. Toutes les filles. C'est quand on a tamponné deux filles là bas, bien belle. Une avait les seins comme ça, l'autre était jaune comme le coquille. Comme le coquille. Ça chauffe dans le. On dit comme gros chat. On va faire les filles là. Attendez. C'est rien. Ah, vous savez quoi? Tu connais Valérie Aïna? C'est ta mère. Mon père. Elle est tracée comme ça. Oui, il faut lui soulever. Quand vous voyez, non? Vous, tu vois, quand je vous vois là. Toi, quand tu parles, on sent que tu ne maîtrises pas le sujet. Concentre-toi à l'école. Tu es encore plus chaud. Garde ça. C'est une substance assez importante dans ta vie. Wow. Vous deux, quand on vous voit, on sent vraiment que vous, dans vos maisons, vos parents disent, ah, vous êtes perdus. On perd seulement l'école. Pour ça dire que pour que les parents remplissent les obligations. Ah bon, petit, je vous pose une question et demandez. Donc dans l'histoire de la cancer, pour vous, c'est les femmes et tout. C'est ça que vous, c'est ça que vous profitez. Mais grand frère, il y a encore quoi pour les étudiants? Il y a encore quoi? Moi, quand tu parles même d'étudiants, c'est bien. Moi, je suis un universitaire. Je suis un étudiant. J'ai bac plus 4. Oui, parce que j'ai fait la licence. Bon, oui, en tout cas, j'ai bac plus. Moi, je suis un universitaire petit. Quand je vous vois là, avec le deuxième trimestre, c'est ce qui est dur, qui est fort comme quoi. Mais est-ce que vous allez vous en sortir? On a encore commencé avec les histoires de l'école, c'est la mi-temps, c'est la pause. Maintenant, on vient quoi avec ça? Vous êtes aussi la bête, petit, concentrez-vous à l'école. Ah, Bic, laisse-nous les talks que tu veux, tu es en train de vouloir tirer. Mais mon frère. Toi-même, tu n'as pas les goûts.
Voilà. Donc tu es au droit de nous conseiller que voilà comment il faut se comporter avec les femmes. Tu es en train de nous parler de l'école. Toi, tu es assis en train de boire les billets. Ouais, donc que vous ne respectez pas vos aînés parce que vous débattez des sujets. Vraiment, écoutez, petit, je vais vous dire quelque chose. Vous avez raison. Voilà. La canne est sucrée. Chacun doit se sucrer à son niveau. Mais il faut être conscient. Exactement. Pour vous, là, c'est l'école qui est importante. Tu as bien parlé aujourd'hui. On sort d'abord de l'école. La canne est sucrée. Donne un peu, non, pardon. Ah ok. Qu'est-ce qu'on fait ça? Et moi qui vais vous rendre bête. Plus que ce que vous êtes.